Alors nous sommes dans les caves du musée du Grand Pressigny, que je vous invite à venir visiter. Et pour commencer, on ne va pas parler silex, on va parler roches tenaces, puisque le musée présente différents types de roches qui permettent de comprendre à la fois le travail sur roches tenaces et sur silex. Donc on commence par les jadéites. Superbe jadéite, voilà, de Côte d'Armor, de la région Indre-et-Loire, de Bretagne, et un dépôt de 3 haches en jadéite trouvé à Abbeville dans la Somme. Une petite carte explicative sur la production au viseau et dans les massifs de Béga et les exportations. Ensuite, on va passer à amphibolite, grès et une petite diorite ici sous forme de pendeloque. Ensuite, on va regarder les différentes éclogites qui sont aussi des roches alpines. Donc voilà des éclogites. Des pyroxénites. Des fibrolites qui peuvent être importées d'Espagne ou produites à Plouguin en Bretagne. Des métadolérites. Et parmi ces métadolérites, les plus connus au néolithique sont les métadolérites de type A, qui sont produites à Plussulien et exportées dans toute la France. Et enfin, les dolérites traditionnelles. Quelques formes un peu particulières. Des haches comme ça. Et puis, des haches marteaux percé au milieu. Voilà pour l'évocation des roches tenaces. Ensuite, on passe au silex. Silex du Pressigny, bien sûr, avec ses poignards. Ces poignards du néolithique final, magnifiques, avec des retouches en écharpe. Alors, le 64 a été trouvé dans l'Aisne. Voilà, une autre forme de poignard. Des poignards et des lames brutes. Toujours les lames brutes. Et avec du silex, on ne fait pas que des poignards. Donc voilà la carte de diffusion des silex du Pressigny. Et bien sûr, on peut réaliser bien sûr des poignards, mais aussi des grattoirs, des scies à encoche, toute une série de matériel. Par exemple, une belle petite armature de flèches ici, là. Néolithique final ou campaniforme. Voilà. Et alors, le silex du Pressigny, c'est une certaine technique qu'on appelle la technique de la livre de beurre. La livre de beurre, c'est quoi? C'est en fait le nucléus, le négatif de l'enlèvement des lames à partir du bloc de silex. Et cette technique va être tellement populaire au néolithique, donc là on est entre 2900 et 2400 avant Jésus-Christ, qu'elle va être imitée. Vous voyez, ça ce sont des livres de beurre, mais qui ne sont pas du Pressigny. Celles-ci viennent de Charente. Celles-ci du Périgord. Celles-ci de la Drôme. L'atelier de Vassieux en Vercors, où il y a un musée de sites à visiter.
et ce petit morceau qui est issu d'un silex tertiaire de laine. Alors, pour ce qui est du Précigny, donc on va retrouver toutes ces livres de beurre avec des formes aussi alternatives comme ces nucléus plats et puis surtout des couleurs qui n'est pas que la traditionnelle couleur miel mais qui peut prendre aussi des couleurs un peu grises comme ça voire noires par opposition à la couleur traditionnelle du Précigny. Ici on voit un bloc reconstitué qui permet de comprendre comment de ce bloc on va pouvoir arriver à la livre de beurre. Donc on part de là, on arrive là et de là on va débiter les lames et à la fin on va jeter la livre de beurre. Certaines lames sont trouvées en dépôt comme ici. Voilà le dépôt de la creusette. Voilà pour les caves.